Eh bien salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming, j'espère que vous allez très bien, moi ça va très bien, super. En cette nouvelle génération, on peut dire next gen, la PS5 est arrivée aux States, la Xbox Series X est arrivée chez nous en Europe, partout dans le monde on va dire. Et nous allons faire un unboxing d'un nouveau jeu qui vient de sortir récemment, Sackboy's Big Adventure édition spéciale. Voilà. Donc, les zouzous, je vais chercher un cutter plus vite, mais plus près de pied. Ouais, bien sûr. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de café collector, les amis. Pas de collector en ce moment, c'est vrai que les collectors, il y en a de moins en moins. Que ce soit rétro ou des gen. On a eu moins en moins de collectors en ce moment. Et je crois qu'il y aura, je vais faire un unboxing de la PS5 en café collector. Et donc voilà, donc alors, c'est une édition spéciale bien sûr, il contient, voilà, l'édition spéciale contient le jeu complet, un peluche Sackboy, un artbook, la bande son numérique, 4 costumes, 4 emotes, 4 avatars PSN bien sûr, et l'artbook numérique. J'ai eu aussi en même temps sur Amazon un code spécial offert par Amazon, donc qui vient de chez Sony, de PlayStation bien sûr. Et donc voilà. Alors on va commencer déjà. On va commencer déjà par le plus gros. Le plus gros c'est le jeu. Hop, alors je vais faire comme ça. Bon, il est avec le peluche bien sûr. Alors, voilà, on fait comme ça. Je vais mettre la boîte à côté pour pas endommager le truc. Alors, le peluche a l'air accroché, à mon avis bien. Bien sûr, le peluche a l'air accroché, je pense bien. Bon, on va le prendre après. Alors, qu'est-ce que nous avons déjà, le jeu. Le jeu, voilà. Ne peut être vendu séparément, bien sûr. Voilà, le jeu. En normal. Alors, je l'ai pris sur PS4 parce que le collector est uniquement sur PS4. Mais, donc, il y a tous les jeux PS5. Voilà. Donc, il y aurait une mise à niveau disponible sur la PS5. Donc, ce jeu, je penserais peut-être faire un test. Je ne sais pas si je le ferai en live sur. En live là. Sur ma PS4 Pro. Parce que ma PS4 Pro, je vais la vendre prochainement. Donc, voilà. Alors là nous avons qu'est-ce que c'est. Oh putain, il y a des codes. Oh, il y a des codes. Voilà, hop, je vais masquer ça. Voilà, hop, le code. Voilà, des sons digitales, plus les avatars, tout ça. Les emotes Sackboy, bien sûr. Donc il va y avoir des emotes pour le Sackboy. Ok. Et nous avons le petit cerise sur le gâteau, l'artbook de Sackboy's Big Adventures, bien sûr. Alors pour ceux qui sont fans de Sackboy, hein, c'est le personnage principal de Little Big Planet, donc un jeu de chez Media Molecule, hein, donc c'est une licence qui vient de Media Molecule, et qui est pris par Sumo Digital. Sumo Digital qui est bien très bien connu sur certains titres que je vais peut-être citer en bas ou je sais pas dans quel coin. Voilà, les petits artbooks du jeu, franchement. Les petits character design de Sackboy avec les costumes. Mais parce que c'est un personnage, on peut habiller son petit personnage très mignon, masculin ou féminin, hein, bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est quelques personnages du jeu au cours de l'aventure. Je pense qu'on fera peut-être en live, en aventure. Let's play, je ne sais pas. Tellement ce jeu me donne envie. En plus, on peut jouer en coopération, donc à 4 joueurs maximum. Parce qu'à mon avis, je crois pour Little Big Planet, tout ce qui est truc collectable, tout ce qui est collect, donc à mon avis, c'est vraiment du. Voilà, regarde. Hop, PlayStation, Sumo Digital. Qui est comment dire, franchement, ouais, qui est vraiment très coopératif. C'est vraiment un jeu très coop. Le jeu, hein, voilà. J'espère qu'il n'y a peut-être pas un petit bonus dedans. Je sais pas, est-ce qu'on le débliste? Allez, on le débliste. 34 Go, comment il fait? Donc, comment on dit sur PS5, si avec la mise à niveau, donc plus avec l'image, à mon avis, le jeu doit faire même pas, allez, même pas 80 Go. À peu près quoi. Hop, j'essaie d'enlever le blister du dessus qui n'a pas envie.
Il a pas envie. Hop, voilà. Nickel. Nickel. Hop. Voilà, une petite notice. Ok. Avertissement d'épilepsie. Ok, il y a un petit retour que derrière. C'est très sympa. Ok, par contre, il a. Non, un seul disque. Ok. Mais c'est marrant parce que maintenant, dans les CD PlayStation, ils mettent le fameux Play Disc. Franchement, c'est waouh quoi. Donc, ouais, ça sera mon premier jeu PS5. Ça sera déjà mon premier jeu PS5, quoi. Donc, avec la mise à niveau disponible. Mise à niveau. Ok, ouais. Ok. Donc, allez, on va terminer par le petit Sackboy en déco, la petite peluche Sackboy. Alors, j'enlève le truc. On va être rapide. Voilà. Hop, je vais faire tout ce bon mec. Tac. Ouais, il est petit, hein, il est petit quand même. Par contre, c'est vrai que je sais qu'il y avait des peluches Little Big Planet. Je me rappellerai. Je crois que le Enzone, ouais, le Bandinou, notre très cher Bandinou, je crois qu'il doit, le savoir parce que mon ami. Et là, franchement, ah oui, il est stylé quand même. Trop stylé quand même, le Sackboy. Voilà, hop, la petite peluche Sackboy en tigre. Voilà. Franchement. Je sais pas comment vous le trouvez, mais franchement, il est stylé. Moi, je trouve qu'il est trop mignon, quoi, comme peluche. Franchement, il irait bien à côté de la PS5. Franchement, il irait très très bien avec la PS5 à côté. Très franchement, trop mignon. Trop mignon. Hein? Trop mignon, le petit Sackboy. Franchement, j'ai trop hâte de le tester. Je pense que je le ferai peut-être. Je pense peut-être l'essayer en faire en test ou en let's play. Vous m'en dites en commentaire, les amis. Dites en commentaire, les amis, parce que ça serait top. Franchement, c'est pas, franchement, le collector, franchement, il est top. Franchement, il est top. Pour un petit collector, un édition limitée, franchement, il est top. Surtout une petite peluche, vraiment craquante, quoi. Et les yeux. Je sais pas si vous voyez bien, les petits yeux du tigre, les oreilles. Franchement, stylé. Franchement, stylé. Moi, c'est vrai que les petits, tout ce qui est trucs avec peluche, etc. C'est vraiment stylé de chez stylé. Il irait peut-être bien avec le barapa. Tiens, je sais même pas où je l'ai mis, mon petit barapa. Je crois qu'il est au-dessus de ma PS. Ma PS1 avec la PSX. Je crois bien. Ouais, elle est à côté de la PS1, je crois bien. Barapa The Rapper, il. Ça reste vers la PS1, je crois. Et là, le Sackboy, il irait bien avec la PS5. C'est vrai que. Sinon, je cherche une petite peluche. Je recherche une peluche Ratchet Clank aussi. Si ça existe, une peluche Ratchet Clank, ça serait top aussi. Franchement, petit top. C'est vraiment, franchement, top. Voilà. Et franchement, j'ai trop hâte de le tester. Ouais, de 4 joueurs online, machin. Ok. On pourra même jouer en ligne. Pour même jouer en ligne entre amis, ça c'est top. C'est. Ouais. Rembourser les cousus IP, ouais. Voilà. Voilà. On va. De toute façon, je vais essayer. Ouais, je crois que je vais peut-être essayer sur PS4 en premier. Et après, je ferai le. Je transfère ma sauvegarde en mise en niveau sur la PS5. Comme ça, si on fait le let's play en live, la suite du let's play, ça sera via la PS5. Après, il faut que je vois comment je peux faire pour comment je vais faire pour streamer la PS5. Si mon boîtier d'acquisition est compatible, c'est nickel. Si mon boîtier d'acquisition n'est pas compatible avec, on va devoir streamer sur la console directement, quoi. Donc, on va faire un truc génialissime. Mais franchement, ouais, franchement, je suis. Ce petit collector, il est magnifique, par contre, ça. Ça, c'est les petits Madeleine de Flo qui vient de manger il y a quelques minutes. Franchement, ouais. Mais j'ai trop hâte. Ah, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, les petits Sackboys en Big Adventures.
J'ai trop hâte. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit unboxing de collector de Sackboy's Big Adventure sur PS4, hein, collector uniquement sur PS4, mais comme je vous le dis, pour ceux qui veulent jouer sur PS5, il y a la mise à niveau disponible. Hein, donc voilà, voilà. Donc collector exclusif PS4 que j'ai dû le prendre obligé parce que le collector je le trouve magnifique. Et c'est magnifique, voilà. C'est magnifique, ça reste magnifique. Voilà. Donc sur ce les amis, je vous laisse et moi je vous dis à la prochaine. C'était Flo de la chaîne Café Gaming. Café Gaming, ici, on ne sert pas que du fait café. On parle jeux vidéo. Allez, sur ce, ciao ciao, bye. Café Gaming, ici, on ne sert pas que du café. On parle jeux vidéo.